fonctionnaire de mon état. Et donc, nous avons voulu nous mettre en contradiction pour, n'est-ce pas, essayer de faire comprendre les membres du comité de pilotage et puis les membres du comité de gestion et tous les acteurs qui sont impliqués dans la gestion, n'est-ce pas, du village artisanal de Sikasso. Nous avons voulu qu'ils soient bien formés, qu'ils soient, n'est-ce pas, actifs donc, par rapport au fonctionnement de ce village artisanal. Donc c'est un peu l'objectif de cette rencontre que nous avons voulu vraiment organiser à l'attention des acteurs. Le résultat est tout simple. Parce que les villages artisanaux, c'est le village artisanal est un maillon de la chaîne économique pour notre pays. Donc, avoir tous ces valeurs, n'est-ce pas, qui n'est pas fonctionnel, avoir, par rapport au comité de pilotage, on a eu, il y a eu beaucoup de points qui ont été l'objet, n'est-ce pas, de donc, par rapport à tout ce que nous avons pu constater, c'est pourquoi nous avons initié cette formation pour que les uns et les autres puissent savoir connaître leur rôle, leur attribution, donc afin que le fonctionnement puisse être mené de façon efficace et efficiente. Tout à fait. Pour la première fois que j'ai participé au comité de pilotage, on a évoqué énormément de problèmes, énormément de soucis, énormément de questions, parmi lesquels moi j'ai initié, j'ai proposé pour aplanir certains, parce qu'il faut voir, c'est un équipement collectif important qui puisse apporter sa contribution. Hein, par rapport comment on appelle ça, aux recettes de la région, c'est très important. Donc maintenant, il suffit juste d'apporter, n'est-ce pas, comment on appelle ça encore, sa petite contribution pour pouvoir les aider à donc, par rapport à cela, nous avons voulu que les acteurs soient formés. Si les acteurs sont formés par rapport c'est-à-dire à cet équipement collectif, l'importance, son importance, sa création, son adhésion, et ça c'est très important. En ce moment-là, ils pourront prendre conscience hein, de toute cette richesse généreuse qu'ils ont entre les mains qui n'arrivent pas à exploiter. C'est pour, comment on appelle ça, cultiver tout ça que nous avons voulu organiser cette séance de formation qui parle juste, ça dit des textes de création, la définition, les textes de création, les attributions, les rôles. Et par rapport au manuel de procédure administrative et financière, ça c'est très important. À ce moment-là, dans ce manuel-là, les uns et les autres donc, seront les postes qu'ils détiennent, ils seront leur attribution, leur rôle. Et voilà, comme cela, ça peut marcher. Et avant, dernière question. Voilà, et si par exemple, si le village artisanal fonctionne normalement, avec l'application du manuel de procédure, et si ça fonctionne normalement et que tous les occupants sont là, pensez-vous qu'ils pourront beaucoup contribuer au budget de la région, voire même du pays? Ah oui, tout à fait, c'est ce que je dis. Donc, vous savez, je dis, le village artisanal, pour moi, suivant sa définition, est un maillon important de la chaîne économique pour la région et partant
pour le pays. C'est ça. Donc, mais avoir dans cet état, donc ça interpelle. Pour tous ceux qui ont une inspiration, une aspiration pour le pays, donc ça va interpeller, n'est-ce pas, ça doit interpeller. Et donc, c'est pour cela que cette formation-là a beaucoup de... a son importance. N'est-ce pas, a son importance. Et ça permettrait, c'est ce que j'ai dit, les acteurs, ça arrive de façon... en général, tous les acteurs qui sont impliqués, maintenant, ça leur permettrait d'avoir... de faire une prise de conscience et de se mettre à la tâche pour que vraiment cet équipement collectif-là puisse fonctionner au grand bénéfice, n'est-ce pas, de la région et du pays, parce que il y a les aspects, comme on appelle ça, des impôts. Donc il y a les impôts qui vont être payés, donc le fisc est là, le fisc est là, il y a les taxes aussi. Donc les artisans vont payer, donc tout ça c'est des recettes, n'est-ce pas, pour la région, pour le Mali en général. Donc en tant qu'économiste et agent du budget, donc je me soucie, n'est-ce pas, de pouvoir collecter, n'est-ce pas, les impôts, les taxes, genre pour les recettes de ma région, sinon du Mali. Voilà. J'ai compris que la formation a beaucoup intéressé les participants. Et ils sont très ils sont vraiment dans l'enthousiasme. Et donc ils souhaitent vraiment que la formation soit élargie et que les autres villages artisanaux, donc à l'échelle nationale, suivent le même exemple. Voilà. Donc ça me motive davantage. Ça veut dire que l'initiative que j'ai eu à prendre a intéressé les gens, ça a inspiré les gens, et ça c'est très important. Voilà. Et je souhaite que vraiment, au sortir de la session, que les recommandations puissent être prises en compte par la haute autorité de la région, le développement économique en général, c'est l'objectif, et la prospérité des Maliens. Ok, d'accord. Je vous remercie. On peut aller. Voilà. Emballement à nous là, on est allé au travail. Mais conférence régionale des chambres de métier des situations, mais au président. Alors, village artisanat maintenant, là qu'on a un comité donné ici. Comité de pilotage et comité de gestion du village artisanat. Mais au fond, président. Il y a une formation de la BEMPI. Donc une formation classique à quel moment. C'est pour que le budget m'a remis là encore temps. Allez, membre. Comité là. Service quand on fait membre du comité là, carte, contrôle financier, la direction de l'artisanat, la direction de la formation professionnelle, conseil régional, la CRASCO et autres, mais ben, comité membre. À quel point tu devrais pour que gestion de la chose là, ben, c'est qu'à forme là, et que chacun de nous, ben, qui a un rôle, n'est qu'à responsabilité là, pour que baraka c'est qu'à nous en boulot. Gestion, qu'à gestion, mais la famille là, c'est peuple. Parce que village n'est pas. C'est une équipe collective. Donc, on a un manuel de procédure de gestion. Au manuel de procédure, il faut bien être. Parce que c'est le rôle. Il faut bien être là. Pour que la gestion soit là. L'on a tout là. Il faut que la gestion soit là. Il faut que la gestion soit là. Il faut que la gestion soit là. Moi, je suis encore monsieur Sangaré du budget. Quand on a une rencontre folle là, il fait. Il a vu qu'il est nécessaire la formation de quelqu'un pour la gestion financière. Bon, il y a un peu de temps.
j'ai totalement adhéré à l'idée. À l'ère, le Fanakara formateur, vraiment, il a initié, et puis il a amené la formation au coup, gratuitement. Il a aidé au diamant. Et on place la formation de Ketchoumna, compte tenu des manques de moyens que nous avons ici aujourd'hui, il dit qu'il va s'investir à te voir mener, voir côté, faut écouter pour la bonne marche seulement du village artisanal et faire une bonne gestion. Donc vraiment, le remercie. Et comment allez-vous? Je peux dire même les trois niveaux de collectivité de Sikasso, conseil régional, conseil des sept et la commune urbaine, en mot bref. Gouverneur, comment est-ce que nous sommes en parfaite collaboration ici. Ok, merci. Elles ne savent pas où est-ce que vous avez commencé, elles ne savent pas à quel niveau on se trouve. Donc, en réalité, tu viens, mais tu ne participes pas. Tu viens comme assistant, dans ta structure de représenter seulement. Voilà. Donc, maintenant, si c'est des structures qu'on a dit, voilà, des structures, telles et telles, doivent participer au comité de gestion, au comité de pilotage. Donc, est-ce qu'il ne serait pas mieux de demander à ces structures de faire des points focaux pour le village artisanal? C'est pour éviter vraiment de changer chaque fois la même personne. Par moi, je suis là aujourd'hui parce que celui qui vient habituellement est permissionnaire. Voilà. Donc, et comme on a perçu, je suis venu en retard, mais c'est dû à ça. Parce qu'on a mis le courrier à son nom. Ben, je ne peux pas mettre en mission. Alors que le directeur, la dernière réunion, c'est nous qui avons initié cette promotion. J'étais là. Voilà. Mais même si lui est venu aujourd'hui, il ne sait pas comment. Cette idée-là est née, oui, parce qu'il était à Bonko quand j'étais là, et encore aujourd'hui il a appelé les permissionnaires, mais la prochaine réunion, c'est sûr que c'est lui qui va venir. Voilà. Vous voyez ce que ça fait. Allez, bon. Voilà. Oui. Donc c'est pourquoi je vous demande. Voilà, tout le monde. Donc si vous désignez des structures, oui, il vaut mieux demander à ces structures de confirmer les personnes comme point focaux pour le bien artisanal. C'est une contribution, quoi. Oui. Voilà. Je voudrais savoir si toutefois les deux autres postes qui doivent accompagner la direction sont aussi pourvus. Et donc cette question-là, je pense que le président sera en mesure de répondre à cette question. Voilà. Maintenant, et monsieur André a voulu aussi. Il a fait une recommandation allant s'adressant aux structures, donc d'avoir en leur sein un point focal, c'est-à-dire de distinguer nommément quelqu'un qui puisse être le point focal en tant que membre du comité de pilotage. Je crois que les raisons. Le raisonnement qu'il a avancé, c'est un raisonnement qui tient. Donc c'est un raisonnement pertinent et par rapport à cela, nous pouvons réfléchir et mieux, n'est-ce pas, formuler la question pour que les jours à venir, qu'on puisse prendre cela en compte. Quoi. Bon, maintenant, si les uns et les autres ont bien compris la question, donc intervenir, s'il vous plaît. Donc, par exemple, je prends l'exemple sur mon service qui a un problème de personnes de ressources. Ressources humaines, quoi. Mm-hmm. Voilà, je veux dire ressources humaines. Problème de ressources humaines. Donc, chez moi, et si on a reçu un avis, c'est moi maintenant de voir qui est disponible pour gérer ça. Mm-hmm. Chez nous, c'est un peu comme ça. Mais là où les services, là où il n'y a pas de problème de personnel, donc, on peut nommer quelqu'un, sinon déléguer quelqu'un
qui va charger ça de tout ce qui concerne le village artisanal. Vous comprenez un peu? Donc les services ne sont pas les mêmes concernant les personnels, quoi. Voilà, par exemple, au niveau du conseil régional, là-bas, il y a beaucoup de monde. C'est là le jugement où on est en banque de services. Maintenant, de respecter ça. Parce que tout le monde est à court de personnel. Quand on va désigner une seule personne qui se présente à toutes les invitations, je crois que ce n'est pas possible. Chez nous, les avis que vous envoyez là-bas, je les vois, mais vous voyez autre personne, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour cette raison. Cela prouve qu'on est tellement occupé qu'on ne peut pas se déplacer. Donc on confie la mission à une autre personne qui est pour le moment, même s'il n'est pas disponible, on les force souvent à venir pour se faire représenter parce qu'on a accepté. Voilà, donc la question des rapports que le fiston a dit est très pertinente parce qu'il faut toujours faire un rapport après les activités. La personne qui vient, qui est nouveau peut-être pour l'occasion, quand il fait un coup d'œil sur le rapport de l'activité passée, il va se mettre à jour à travers les rapports. Donc, ce que notre frère a dit n'est pas possible. Chez nous, quand même, ce n'est pas possible. Moi, je suis dans le comité de gestion. Toute personne qui vient, moi, je dis que nous, on est commissaire au compte. D'après ce qui a été décidé depuis les premières rencontres, nous, on a joué le rôle de commissaire au compte. Donc, je lui rapporte ça et il vient avec cette idée. Donc, produisons des rapports après les activités. Au niveau du conseil régional qui est la tutelle, nous avons écrit officiellement à la tutelle. Ils ont désigné un représentant au nom de la tutelle, qui est le premier vice-président du conseil régional. Mais nous savons tous quand même, vu leurs préoccupations, depuis la toute première rencontre, il n'a pas eu le temps de venir. Voilà pourquoi il y a ces changements-là. Parce que je connais quand même le conseil régional un peu, il y a même insuffisant de personnel chez eux. Donc, ce qu'il vient de dire, le directeur du contrôle financier, je crois qu'il est nécessaire de fournir les rapports. Et selon les rapports maintenant, qui restent à son service pour celui qui vient pour la prochaine. Voilà. C'est ce que je vois aussi. Et ça, c'est la meilleure solution. Voilà. Sinon, on n'a rien servi. Mais aujourd'hui, nous sommes invités demain au conseil régional pour le plan opérationnel. Bon. Quand ils écrivent le président, est-ce que le président seul peut faire tout ça? Non, je vais déléguer quelqu'un d'autre qui ne sera pas moi. Mais avant de partir, je lui donne toutes les informations nécessaires qu'il faut. Voilà. On avait une mise en place des comités de gestion. Mm-hmm. On avait demandé à tous les services de désigner quelqu'un pour qu'il soit toujours au même niveau d'information que les autres. Mais je crois qu'on est en train de balayer ce revers. Moi, je ne sais pas. Mais il faut mettre ce comité de gestion en place à Morotorodi. C'est ce qui a été fait. C'est créé. Mais tout d'abord, on croit là-bas. Il y a encore fait des participations de cette équipe. Voilà, c'est parce que en gagnant un quai, en se la service ou en gagnant un retour un quai, en tout cas chef ouvrier, vous revenez à nous y quoi. Voilà. On va abandonner le débat. Donc pour que Monsieur Connier. On doit mettre des comités de gestion en place. Les noms écrits là qui font partie de ce comité de gestion. Bon, moi je trouve que ça c'est encore plus bien. Mais si on doit mettre les services. C'est ce que vous demandez, on met les services au niveau des comités de gestion. Mais est-ce que ça, c'est un comité de gestion? On sait que le budget doit envoyer deux personnes, tel envoie deux personnes, mais tout le temps chargé de personnes là. Si c'est ça qui est bien, tant mieux. Selon moi, pour moi, il faudra mettre un comité de gestion et mettre les noms
de ceux qui doivent composer le comité de gestion, le comité de direction. C'est plus facile pour nous de travailler. Enfin, qui gêne un peu cette démarche-là, elle est une démarche, comme on appelle ça, efficace, mais elle serait entravée en cas d'absence de la personne ou en cas d'empêchement de la personne. Vous voyez, il peut y avoir des mutations. Et donc, forcément, la personne ne serait pas là. Mais avec un procès verbal ou avec un rapport, normalement, c'est quand on va en mission, parce que nous sommes en mission comme ça. Quand on va en mission, on doit produire le rapport. C'est une obligation, c'est une exigence, c'est une obligation. Et donc, sur la base de ce rapport, ça veut dire le mémoire, il y a certains rapports de mémoire. Donc, pour le service. Et moi, je crois que ce serait un peu difficile de pouvoir tenir cette démarche-là, compte tenu de ces contraintes-là d'absence ou d'empêchement ou de mutation ou autre. Ça, c'est de mon point de vue. Oui, monsieur, voilà, vous avez la parole. On doit écrire officiellement au comité, aux différents directeurs du comité de gestion, qui eux aussi donnent leur avis. Si c'est possible de donner un agent spécialement pour ce comité, ou pas, et ils vont se prononcer là-dessus. Là, au cas contraire, maintenant, on va voir ce programme-là. C'est qu'ils vont donner leur avis là-dessus. En partageant cet avis-là, comme ça, on va avoir un terrain d'entente. Comment on va gérer? Parce qu'il est très, très dangereux aussi. Si vous voyez ces gens de comité pour les gestions, souvent, ça va en dérive et ça va en concordance. Parce que chaque fois, il y a des éléments nouveaux, il y a des nouveaux éléments. Et souvent, c'est une déperdition du pouvoir. Et quand il y aura une grande prise de décision, et qu'il y a une autre personne qui n'était pas là, qui revient à l'autre comité, à une autre rencontre, il ne pourra pas prendre de décision. Parce que la première partie, la deuxième partie n'est pas faite devant lui. Et c'est la cinquième partie qui va participer. Quand on envoie les rapports, souvent sont sur les directeurs, ça rentre dans le tiroir et on ne les voit pas. Parce qu'ils sont tellement, tout le monde est occupé dans le travail de bureau. Donc les rapports s'en vont, souvent on ne vit même pas. Pour celui qui doit revenir à la place de l'autre, pour pouvoir revenir même, il ne pourra même pas voir le document, le rapport. Ça c'est très très pertinent. Moi je pense qu'on peut écrire aux différents directeurs régionaux pour les expliquer. Si le directeur qui sera capable de nommer quelqu'un, uniquement pour ce poste. Si la personne donne son nom, le coach, si la personne ne pourra pas venir, il va déléguer son pouvoir à un autre et il va lui expliquer ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est plus mieux. Parce que les directeurs, là, ils sont tellement. On sait que dans la série, il y a tellement de problèmes. Il faut voir immédiatement au conseil régional, même s'il y a une rencontre là, quand on dit 10h, c'est à midi, c'est à 11h, et même ils viennent. Les invités sont là dans leur salle et ils viennent jusqu'à 11h. On dit 19h, ils viennent à 10h. Vous voyez ce que ça fait? Donc, dans nos différents services, vraiment, il faut qu'on sache ce qui se passe. On le sait nous-mêmes. En bas, il est donc. Donc, là, il est donc. On apparaît que le directeur, il est là. Il habite à le directeur, vraiment. Il est là pour qu'il habite. Le directeur, il est là pour qu'il habite. Il est là pour qu'il habite. Le directeur, il est là pour qu'il habite. Il est là pour qu'il rapporte. Moi, je pense que c'est mieux. Sans que dans la continuité de l'Europe, dans la fac de Manan, dans la comité de gestion, il est là pour flouer la chose. En même temps, il est là. Il y a dans la formation de quelqu'un, il m'a fait de l'IA. C'est pour parler à ces problèmes, non? Oh, donc, pour parler à ces problèmes, il n'y a pas de problème. S'il y a un vide, cherchons à chercher à parler ce vide. Donc, on a écrit des gens, à mon avis, qui a dit différents directeurs. Ils vont se prononcer là-dessus. Ou bien, on fait appel à faire. C'est-à-dire, nous, on a dit là, oui, par exemple, tu viens ici, ça. N'est-ce pas? Au lieu de distinguer, moi, je pense qu'il y a une nuance. Dans ma tête, quoi. On part du comité de pilotage ou bien du comité de gestion. Ah, ok. Bon, maintenant, il faut que. Les mêmes membres du comité de pilotage, c'est la même chose. En ce qui concerne l'inquiétude d'André,
ça, si ça se procède comme ça, c'est la bonne manière. Parce que la formation qu'on vient de faire plus dessus sur la gestion et le dirigement qu'il faut pour gérer les villas artisanales, c'est qu'on a suivi la formation. Et chaque fois-ci, d'autres personnes viennent, n'ont pas suivi la formation, ils ne maîtrisent pas les textes qu'il faut pour la gestion. Ils seront toujours de nouveau. Et tandis qu'après chaque réunion, on avance. Donc les intéressés ne seront pas à l'état actuel du village artisanal. Mais si c'est la même personne, on est au même niveau d'information. Et là, les choses bougent facilement et la compréhension est facile. Donc ça, c'est mon inquiétude. Et si la disponibilité au niveau de la structure qui compose le comité de pilotage, il n'est pas facile vraiment de désigner spécialement quelqu'un pour siéger au niveau du comité de pilotage, donc ça pose problème, mais quand même, la bonne manière, ça devait être comme ça. Voilà. Tout à fait. Le service est qu'il est toujours présent ici. C'est très difficile. Vraiment, il y a une fois, c'est une des meilleures propositions. Question de rapport. Notre service, il en parle de préoccupation mondiale. Même chez nous ici, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Mais nous devons là-bas pour t'envoyer du boulot. Tant à vous. Mais toi, les soins, en fait. Tu es obligé de désigner une autre personne. À chaque galère, quand tu as un et tout le monde, qu'il y a un taux qui t'acquise. Chaque fois, est présent. Il est difficile. Mais quand tu as un rapport, ta solution. C'est ce que je voulais dire. Ok. Oui, monsieur. Comité, voilà. Donc, comme ça, demander à chacun de nous, hein, après la rencontre, ça veut dire remonter le rapport. En cas, une fois empêché, la personne qui est censée de venir vous remplacer, donc il faut lui imprimer d'abord de la situation avant qu'il soit, pour qu'il puisse être au même point d'information que les autres. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Voilà. Bon, puisque déjà, désertion, il y a deux secrétaires administratifs. À ce niveau-ci, vous regardez les textes. Oui, oui. Et maintenant, il y a le secrétaire des séances. Voilà. Donc maintenant, le rapport est partagé. C'est un rapport commun. Par exemple, à la fin de la réunion, donc tout de suite, le rapporteur, il peut procéder à la lecture du rapport et maintenant procéder, s'il y a des amendements, il y a des amendements, procéder aux amendements et adopter le rapport. En ce moment-là, donc, il serait chargé, n'est-ce pas, d'envoyer, voilà, donc de procéder au dispatching du rapport. Voilà. Souvent, on a même des problèmes, des difficultés de payer le gardien qui, lui, son paiement est mensuel. Bon, alors que dans le mois souvent, il n'y a rien. On arrive quand même à le prix. Mais il n'y a rien. J'ai écrit à d'autres partenaires, on n'a pas la réponse d'abord. Comme ils sont prêts à nous inviter à aller échanger chez eux. À la mine d'ordre de séance. Ils disent qu'ils viennent d'envoyer une lettre. Comme ça, on va échanger. De voir maintenant quelles sont les stratégies de collaboration. Comme ressources, n'est-ce pas, vous devez bénéficier des subventions de participation de l'État. C'est ça. Avez-vous jamais écrit à l'État donc pour leur signifier cela? Si oui, mais sinon, maintenant, je crois que Il faut user de ce dispositif-là pour écrire à l'État et voir. Parce que si vous n'avez pas écrit à l'État, ça veut dire que compte tenu du caractère de votre équipement collectif, l'État pense que, eh bien, que vous vous suffisez à vous-même et que bon, il n'y a pas de problème. Il faut toujours rappeler. Ok, voilà. Il faut rappeler, il faut faire des correspondances, il faut faire des courriers. Voilà. Comme ça, en ce moment-là, on verra bien ce que l'État peut vous octroyer comme subvention. Voilà. Donc, même les collectivités, hein. Il y a les collectivités locales
Et comme vous avez parlé des partenaires, il y a les partenaires techniques et les partenaires financiers. Donc il faut les écrire, il faut oser quoi. Il faut être ambitieux. Écrire. Pour un départ, il faut écrire sans cesse. Maintenant, c'est sûr que vous aurez une réponse un jour. Et cette réponse serait vraiment subtile, sinon substantielle pour votre départ. Et ce serait vraiment intéressant. Je ne sais pas comment la gestion de l'université au niveau du Vilayat. Oui, tout à fait. Comme vous étiez en train de parler, moi je sortais, je ne sais pas comment. Voilà, très bien. Comment la question a été abordée? Oui, c'est le contrôle du précédent comité de pilotage. Donc ce point a été évoqué par le président. Le problème, c'est une question sérieuse parce que les factures qui lui parviennent mentionnent des montants relatifs à l'entretien seulement, n'est-ce pas, du transformateur, sans que son équipement collectif ne bénéficie et de lumière d'un montant de 200 000. Bon, en tout cas, moi, ça me semble être fallacieux. Un montant vraiment fallacieux. C'est un montant un peu trop élevé, quoi. Bon, maintenant, est-ce que c'est des anomalies au niveau du transport ou bien est-ce que on ne sait pas si c'est au niveau de l'IDM. Mais quand il a évoqué ça, nous avons demandé, en tant que comité de pilotage, maintenant que le directeur puisse se saisir, n'est-ce pas, du dossier, en se faisant accompagner par d'autres membres du comité de gestion et sous la supervision de la tutelle du conseil régional et rencontrer les responsables de l'EDM ou bien de l'énergie, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de la gestion de ce transport. Voilà. Qu'on s'investisse, qu'on les rencontre. Et maintenant, pour qu'on puisse trouver une solution de façon définitive à cette question. Parce qu'il faut voir, il n'y a pas d'électricité. Sans électricité aujourd'hui, c'est un élément déterminant. Par rapport au fonctionnement, à la fonctionnalité d'une structure quand même, quelle que soit. Vraiment nous avons demandé qu'il approche la direction de l'IDM pour trouver, n'est-ce pas, des solutions à cette question-là. Bon, maintenant... au passage, parce qu'on a compris que ça varie. Souvent c'est 11 000, souvent il se retrouve à 200 000. Bon, aujourd'hui, on vient de nous apporter une facture de 11 000. Ça, c'est pas nous. Vous voyez, et le mois passé, c'était 200 000. Est-ce que c'est toi maintenant, vous voyez. Bon, c'est donc, super, voilà. Oui. Alors que la fois dernière, les factures qui sont venues, c'est écrit consommation terre. Ils ont donné un montant alors qu'il n'y a pas de consommation faite. Voilà pourquoi nous sommes partis les voir, pour dire que c'est une erreur. On n'a jamais consommé. Voilà. Depuis le départ de l'entreprise, on n'a jamais consommé. C'est ça. Là, ils mettent consommation, ils donnent un montant. Ah, ouais. Moi, voilà. On n'a jamais consommé. Est-ce que vous voyez? Bon, mais aujourd'hui, là, je vois, je ne sais pas si vous constatez. Consommation 0000. Donc, maintenant, avec l'implication. Avec l'implication. N'est-ce pas de... J'ai toujours été au conseil régional pour demander, même pour le directeur là-bas, parce que moi je crois que c'est la tutelle qui devrait faire la décision. J'avais une copie, un exemple de la nomination du directeur de Morty que j'ai envoyé là-bas. En comptant de ça, ils ont pris le statut et voir l'article 14, ils disent que tous les gens ont hein, de faire la décision. Mais, en ce qui concerne le comité, en sa décision formatrice, je crois que
vrai que c'est la première information monumentale. Voilà le canal qui a été communiqué, c'est ça. Donc on va faire la décision aussi. D'accord. Voilà. Au nom des directions. Voilà. J'ai toujours été au conseil régional pour demander, même pour le directeur là-bas, parce que moi je crois que c'est la tutelle qui devrait faire la décision. J'avais une copie, un exemple de la nomination du directeur de Morty que j'ai envoyé là-bas. En fin de temps, de ça, ils ont pris le statut et voient l'article 14, ils disent que tous les gens ont hein, de faire la décision. Mais en ce qui concerne le comité, en sa décision, il faut le marquer pour l'an. Je crois que c'est la première information monumentale. Il faut aller à la canale, qu'elle a été communiquée, c'est ça. Donc on va faire la décision aussi. D'accord. Voilà. Au nom des directions. De la qualité. Donc, quand on a décidé d'aller avec ça d'abord, mais au fur et à mesure que l'évolution vient, on va désigner les autres. En même temps, on fait c'est la mise à disposition. Si on n'a aucun moyen pour faire face à la salle. Donc, maintenant, si pour vétéranien m'a donné, on va faire le recrutement comme ça. Donc, pourquoi j'ai évoqué parce que parmi nous, il y a un éminent formateur. Il y a un éminent formateur que j'ai découvert lors du comité de pilotage. Cet éminent formateur, il s'agit de la personne de M. Dambélé. Monsieur Dambélé, il est formateur de profession et je le connais. Il organise des formations en dehors même du pays. Je l'ai connu à Ouaga. Il donne des cours dans des écoles à Ouaga. Il donne des cours à Bamako, à l'université. Il donne des cours, c'est un économiste. Chevré et il connaît parfaitement le monde artisan pour avoir été à vos côtés depuis quand même beaucoup d'années. Donc moi je crois que pour un départ, je vais vous faire découvrir et désormais je crois que vos soucis de formation seront apaisé si M. Dambélé acceptait, n'est-ce pas, apporter sa contribution dans ce domaine. Et c'est ce que je voulais. voilà. Merci pour l'information. Je l'ai connu, je connais bien son. Je connais bien sa biographie. Le monde d'artisan, mais je pense que lui, il a une connaissance avérée qui puisse vraiment quand même lui permettre de dispenser par rapport à vos besoins de formation. Donc, il m'a envoyé les documents, il ne m'a pas envoyé. Lui-même là. En ce qui concerne l'artisanat, vous venez apprendre avec nous. C'est nous qui apprennent nos secrétaires sur l'artisanat. Ils viennent de lui. Nous, on les apprend dans le secteur ici. Mais les autres qualités que vous venez de citer, on n'a aucune connaissance. Voilà. Très bien. Donc, comme je l'ai dit, j'ai dit le monde artisanat étant un monde un peu complexe, c'est ce que j'ai dit. C'est un monde qu'on ne connaît jamais assez. Ouais. Il faut être, savez que de l'heure pour que vous puissiez le connaître un peu. On ne le connaît jamais assez. Mais je le dis, M. Dambélé, pour avoir été à vos côtés pendant un certain temps, n'est-ce pas, Monsieur le Président, je dis pendant un certain temps, donc pour quand même avoir une idée par rapport à vos besoins de formation.
Et cela étant, il peut se mettre en contribution. Donc désormais, donc, c'est pas bien. C'est bien pour vous. Voilà. Oh. Voilà, voilà. Et toujours pour dans le sens de me conforter par rapport à ce raisonnement. J'ai essayé d'évoquer toujours son curriculum vitae. Voilà. Donc, à ce titre-là, on peut vraiment. Ici, la direction de la formation professionnelle, conseil régional, la CRASCO et autres, il y a un comité membre. À quel point tu devrais pour que gestion de l'économie n'a pas cassé qu'à formule et que chacun de nous ait un rôle et une responsabilité là pour que Barra cassé qu'à nous en boulot. Gestion qu'à quelle gestion, mais la famille n'a pas ses peuples. Parce que village, c'est une équipe collective. Donc, nous n'avons pas de Barra. Quand on a quelqu'un de mort, on a un manuel de procédure de gestion. Au manuel de procédure, il y a un cas quand il faut bien y aller. Mais qu'est-ce qui est le rôle là? Il n'y a pas de temps là. Pour que la gestion mène à Kakono, l'on a tout là, à quelle gestion il me paiera de Nafa. Kadougou Nafa, Kadjamala Nafa. Moi, je suis encore M. Sangaré du budget. Kabila, dans la rencontre folle là, FMI, il a vu qu'il est nécessaire la formation de Kakene pour la gestion financière. Bon, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, totalement adhéré à l'idée. À l'ère, le Fanakara formateur, vraiment, il a initié, et puis Kaklaïka, il en a amené la formation de Aoku gratuitement. Il y a un cas de Djamma. Il y a un place là. Formation de Ketchoumna, compte tenu des manques de moyens que nous avons ici aujourd'hui, il dit qu'il va s'investir à te voir mener, voir côté, faut écouter pour la bonne marche seulement du village artisanal et faire une bonne gestion. Donc, vraiment, le remercie. Et comment allez-vous? Monsieur Sangaré est vraiment folle. Il est déjà jamais même folle. En bas, il faut que la cave, c'est le colonel. Mais au bord, mes populations sont belles. En cas d'administration, c'est qu'elles sont vraiment au bon place, la place, la trop belle. Surtout notre tutelle qui est aujourd'hui le conseil régional, vraiment au bon place, la bonne compagnie fin belle. En effet, on peut avoir à disposition à bas des cas. On est fondé conseil régional. Je peux dire même les trois niveaux de collectivité de Sikasso, conseil régional, conseil des sept et la commune urbaine. En mot bref, gouvernement qu'on est comme à l'entrée fond, on fait un place. Nous sommes en parfaite collaboration ici. Ok, merci.